Mouna Karay, donc photographe tunisienne. Je vis entre Paris et Sfax. Sfax est ma ville natale. Pour la Biennale, je présente une série qui s'appelle Noir, qui est constituée de 8 photos. Et là, aujourd'hui, en fait, dans le cadre de la Biennale, je présente 4 photos. Cette série a été pensée avant la révolution tunisienne. J'ai trouvé intéressant d'imaginer un corps dans un sac. Le fait qu'il prend le déclencheur souple et qu'il déclenche la poire qui contient de l'air, et cela permet de s'exprimer. Je l'ai appelé noir, en contraste avec la blancheur, et c'est dans le noir qu'on commence à voir. Généralement, c'est dans l'obscurité, dans les moments les plus violents, que l'être humain il se débat, il résiste et il s'exprime. Donc ici, l'acte photographique, c'est un acte libérateur et devient la photographie une arme libératrice.